Réussir sa stratégie marketing en 2024, partie 2. On va parler pour commencer de l'importance du contenu vidéo en 2024. Ça fait déjà un bon 2 ans que le contenu vidéo est de plus en plus important dans l'univers médiatique et ça s'en vient de plus en plus proéminent, au même que certains médias comme Instagram, bien que la photo soit quand même bien utilisée et que l'algorithme le propose beaucoup, la vidéo reste un élément essentiel. Donc, on est dans un ère où les contenus vidéo sont très courts. On va parler d'à peu près 7 secondes pour le contenu vidéo. Par contre, dans la tendance 2024, les contenus longs vont commencer à prendre de plus en plus d'importance. Donc, oui, les vidéos courtes favorisent beaucoup la réécoute et donc font en sorte que les gens vont beaucoup plus exploiter votre contenu et faire beaucoup de réécoute, ce qui stimule beaucoup l'algorithme. Mais le temps passé sur une vidéo, la longueur de temps que les gens vont passer dessus devient un facteur important pour 2024. Donc, on doit penser à faire des vidéos qui vont être un peu plus éducatives. Une des tendances aussi, c'est de reprendre un peu des extraits de podcasts. Donc, on prend quelque chose d'existant comme un podcast et on réutilise des extraits, donc on réutilise notre matériel pour attribuer, dans le fond, des vidéos courtes éducatives un peu plus longs aussi. Donc, TikTok veut faire compétition à YouTube de plus en plus et pour ça, ben, ils veulent retenir l'attention qui est beaucoup plus longue sur la plateforme. Donc, le vidéo long dans l'année 2024 va prendre de plus en plus d'importance et ça va être une stratégie que vous allez devoir garder en tête.